matin, Maxime Switek. Et à la une ce matin, un ticket de caisse. Combien allez-vous payer vos pâtes, vos biscuits, votre beurre? Les négociations entre la grande distribution et les industriels s'achèvent dans quelques heures. On vous emmène dans les coulisses dès le début de ce journal. La balle est dans son camp. Que répond la ministre des Transports au syndicat de la SNCF? Elisabeth Borne sera avec nous dans un quart d'heure. Hier soir, les syndicats ont annoncé qu'il n'y aurait pas de grève tout de suite, qu'ils étaient prêts à discuter, à condition que le gouvernement allège sa réforme et oublie les ordonnances. Dans ce journal, le froid est toujours là, mais la neige s'invite aussi. 13 départements vigilants. Lance Orange ce matin, nous serons à Biarritz. Il faut créer un nouveau délit en France, l'outrage sexiste et sexuel. C'est ce que propose un groupe de parlementaires pour punir le harcèlement de rue dont les femmes sont victimes. Également au sommaire, Mickey adore toujours la France. Disney va investir 2 milliards d'euros dans Disneyland Paris. Et puis ils sont partout, les vélos en libre-service. Vous les avez vus débarquer à Lyon, Reims, Lille ou Paris par milliers ces dernières semaines. Mais certaines entreprises jettent déjà l'éponge. Trop de vélos cassés, ce sera l'enquête du 8h. C'est maintenant que tout se joue. Il reste quelques heures à la grande distribution, aux groupes agroalimentaires et aux agriculteurs. Il leur reste quelques heures pour s'accorder sur les prix qui seront payés aux producteurs et donc sur ce que vous paierez, vous, consommateurs, dans les rayons des supermarchés dans les mois qui viennent. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Anne-Laure, on sait que traditionnellement, les derniers jours de février, les derniers jours de tractation sont tendus. Mais là, tous les acteurs avaient signé une charte de bonne conduite cette année. Est-ce que cette charte a changé quelque chose? Alors, la grande distribution assure que oui, mais pour ceux qui sont de l'autre côté de la table, agriculteurs et industriels, ce n'est pas du tout le cas. C'est le bal des hypocrites, a dit tout à l'heure sur Europe 1 Richard Girardeau, le patron de Nestlé, et à l'ANIA, qui représente les industriels de l'agroalimentaire. On parle de négociations très dures. Valérie Veil-Lancry est en charge de ce dossier. On nous a reporté des propos d'acheteurs qui indiquaient s'asseoir sur la charte, qui l'ont même déchiré devant les directeurs commerciaux des entreprises. Et on n'avait que 30% de taux de signature il y a 5 jours. Au final, Anne-Laure, pour ce qui est des prix, à quoi doivent s'attendre ceux qui nous écoutent ce matin? Alors, ça dépend des familles de produits. Prenez les produits laitiers, par exemple. Là, les industriels ont obtenu des hausses. C'est un peu l'exception, entre 1 et 4% de hausse. Il faut dire que la filière a bénéficié d'un coup de projecteur, explique André Bonnard, c'est le secrétaire général de la Fédération des producteurs de lait. Comme depuis 2 ans, l'essentiel de la sphère médiatique est occupé par la filière laitière, il n'y a aucun opérateur qui ose entamer la discussion en disant « écoutez, ce que gagnent les producteurs de lait, ce n'est pas le débat, parlons des tarifs ». On verra si ces hausses concédées aux industriels sont répercutées dans les prix. Ça dépendra des enseignes et des types de produits. Et pour d'autres familles, il y aura probablement des baisses. Je vous cite quelques exemples, les compotes, les confitures ou encore les biscuits. Mais l'heure de vérité, ce sera dans les rayons, dans les jours qui viennent. Merci Anne-Laure Jumet, le patron de Nestlé, vous en parliez, a annoncé sur Europe 1 ce matin avoir porté plainte contre Intermarché pour une promotion à moins 70% sur des bouteilles de Perrier, alors que le groupe n'avait pas donné son accord. L'autre titre à la une ce matin, c'est la SNCF. CGT, CFDT, Sudrail et UNSA se sont mis d'accord hier soir. Pas de grève dans les jours qui viennent. Ils sont d'accord pour discuter de la future réforme avec le gouvernement. Mais si la concertation se passe mal, si le recours aux ordonnances se confirme, eh bien là, il faudra s'attendre à un mouvement dur. C'est en tout cas la menace que brandit ce matin Éric Meyer de Sudrail. La problématique de l'ouverture à la concurrence, la problématique des missions de service public, la problématique de la condition de travail des cheminots est centrale. Aujourd'hui, la forme qui est donnée aux concertations, la menace des ordonnances, forcément ne nous convient pas. C'est clair, si le 14 mars, il y a présentation au Conseil des ministres d'un projet de loi d'habilitation par ordonnance, il y aura dépôt d'un préavis de grève reconductible dans la foulée. Le secrétaire fédéral Sudrail avec Aurélien Fleureau. Alors la ministre des Transports est-elle prête à faire un geste, notamment sur les ordonnances? Nous lui poserons la question dans moins d'un quart d'heure. Elisabeth Borne sera avec nous en direct sur Europe 1. Il est 8h04. Nous venons de vivre sans doute la nuit la plus froide de l'hiver et Laurent Cabrol nous le disait juste avant ce journal. Les températures sont très nettement négatives encore une fois ce matin sur toute la France. On sait que cette vague de froid a déjà fait 4 morts ici, une vingtaine au total en Europe. Et à ce froid, il faut ajouter la neige qui est de retour par le sud. 13 départements sont d'ailleurs en vigilance orange. Des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Alpes-Maritimes. Il a neigé dans le sud-ouest cette nuit, à Pau ou encore à Biarritz. Alex est étudiant biarro et il a le spectacle. Là, le jardin tout blanc, même la plage, tout est blanc, ça tient absolument partout, c'est hyper beau. La dernière fois que ça avait neigé comme ça, je crois que c'était le 10 mars 2010, ça avait juste duré une journée, j'étais jeune, mais ouais, je m'en souviens bien. Je pense que je vais déneiger la petite pente que j'ai juste devant chez moi, et puis surtout que ça tient sur les routes, on espère que ce soit pas trop le bazar. J'habite dans un coin, en fait, il y a vraiment des pentes de tous les côtés, donc c'est un peu compliqué.
on n'a pas les pneus à neige, donc ça va être un peu la surprise tout à l'heure, on va voir si ça patine ou pas, quoi. La surprise à Biarritz, propos recueilli par Aude Vernuccio. Un divorce dans ce journal. Le Brexit, c'est aujourd'hui que la première version du traité de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni va être dévoilée. C'est un pavé, 120 pages. Isabelle Horry, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Isabelle, 120 pages pour dire quoi ? 120 pages pour régler le Brexit dans ses moindres détails. Alors vous vous souvenez, en décembre, on avait eu un accord politique. Ben là, c'est le document juridique. C'est comme un vrai divorce. D'abord, on se met d'accord sur les grands principes. Exemple, quel système de garde pour les enfants. Mais ensuite, il faut écrire noir sur blanc quel jour, quelle heure, où et qui paye pour les trajets. Ben, ce document, c'est ça. Et du coup, ben, oubliez les sourires de la fin de l'année parce que dans les détails, il y a des sujets de tension. Le plus important, c'est la frontière entre les deux Irlandes. C'est la pomme de discorde. Et en décembre, il avait été évacué avec des formulation un peu vague. Là, le texte va préciser comment la libre circulation va rester possible. Les Britanniques promettent une frontière virtuelle. Les Européens, eux, veulent pouvoir contrôler en vrai les marchandises et les animaux vivants. Bruxelles envisage des solutions techniques qui forcément vont plaire plus à Dublin qu'à Londres. Bref, il reste des tas de choses à régler. Et pourtant, en parallèle, c'est déjà tendu aussi sur l'après-divorce. Les Européens proposent une transition jusqu'à fin 2020. Les Britanniques voudraient rester un peu plus longtemps. No, leur a répondu hier le négociateur Michel Barnier. No, Isabelle Horry, merci en direct de Bruxelles, Isabelle. L'actualité à l'étranger avec d'abord la Syrie, trêve humanitaire impossible dans l'enclave de la Ghouta, le cessez-le-feu quotidien de 5 heures décrété par les Russes n'a absolument pas tenu hier. Et justement, un rapport de l'ONU ce matin affirme que la Corée du Nord a vendu à la Syrie du matériel pour fabriquer des armes chimiques malgré l'embargo. Un rapport dévoilé dans la presse américaine. Aux États-Unis, Donald Trump voit loin. La prochaine élection présidentielle aura lieu dans un peu plus de 1000 jours, mais le président a déjà nommé hier son directeur de campagne, un certain Brad Parscale, qui avait déjà fait partie de l'équipe Trump en 2016. Europe 1, il est 8h07. Comment lutter contre le harcèlement de rue ? Comment lutter contre ces sifflets, ces remarques désobligeantes que subissent les femmes ? 5 députés rendent aujourd'hui un rapport sur la question. Leur idée, c'est de créer un nouveau délit, l'outrage sexiste et sexuel, Ève Roger. Ne dites plus harcèlement de rue, mais outrage sexiste. Et pour les rapporteurs, c'est un propos, un comportement ou une pression à caractère sexiste ou sexuel dans l'espace public. Alors on ne parle pas là des agressions sexuelles comme une main aux fesses, déjà réprimées par la loi, mais bien de ces petits gestes déplacés, sifflements, remarques obscènes, regards insistants, ou encore le fait de suivre une femme dans la rue. Et ce sont ces attitudes qui empêchent certaines d'entre nous de sortir en toute sérénité, explique Élise Fagelès, députée En Marche et membre de la mission. Quand on drague de manière lourde et insistante, quand on suit une fille, quand on l'embête, quand on la siffle, ça se reconnaît. Des comportements qui mettent mal à l'aise les femmes, où elles se sentent humiliées, où elles ne se sentent pas légitimes dans l'espace public, où elles sont obligées d'adopter des stratégies d'évitement. Alors ce sont les agents de la nouvelle police de sécurité du quotidien qui pourraient être chargés de prendre en flagrant délit les auteurs, pourquoi pas aussi les agents de sécurité des transports et la police municipale, avec à la clé une amende immédiate de 90 euros qui pourrait grimper jusqu'à 350 si elle n'est pas réglée sur place. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, puisque nous parlons de harcèlement et de violences faites aux femmes, un mot ce matin de la une de Libération. Plus d'une centaine d'actrices, de réalisatrices s'engagent. Maintenant, on agit, c'est le titre de leur tribune. Elles lancent en fait un appel aux dons pour aider les victimes d'agressions sexuelles et de viols à payer leurs frais d'avocat. On en parlera tout à l'heure à 9h avec deux des signataires. En bref, un violeur en série recherché depuis 30 ans arrêté près de Maubeuge dans le Nord. Cet homme a été confondu par son ADN. Il pourrait être impliqué dans une quarantaine d'affaires. Il doit être déféré dans la journée devant le parquet. Je vous le disais dans les titres, 25 ans après l'ouverture de Disneyland Paris, le groupe américain annonce un investissement gigantesque. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. Nicolas, le patron de Disney annonce donc 2 milliards d'euros d'investissement. Oui, le plus gros investissement de Disney dans notre pays depuis l'ouverture de Disneyland Paris en 92. Des milliers d'emplois vont être créés. Disney ne cite pas de chiffres précis, mais enfin pour donner une idée, un précédent investissement d'un demi-milliard d'euros avait créé 5000 emplois. Le projet va monter en charge à partir de 2021. Il sera donc prêt pour les JO de 2024. Aujourd'hui, Disneyland Paris emploie 16 000 personnes. C'est le premier employeur sur un même site en France devant Airbus à Toulouse. Et c'est la première destination touristique
en Europe. Alors ce site représente à lui seul d'ailleurs 6% des recettes touristiques de toute la France. Depuis son ouverture, Disneyland Paris a attiré 320 millions de touristes, dont 170 millions d'étrangers. Ils ont dépensé 80 milliards d'euros sur notre sol. L'un des enjeux, c'est qu'au lieu de rester un jour et demi, il reste 3 jours. L'ouverture des magasins parisiens le dimanche est un facteur clé pour les retenir. Avant, ils filaient à Londres. Paradoxe, Disney ne gagne pas d'argent à Paris, mais c'est une excellente affaire pour la région et pour l'attractivité de la France. Et c'est donc à lire ce matin dans Les Échos. Merci Nicolas Barré. Vous les avez vus fleurir dans les villes. Ils sont jaunes, oranges ou vert fluo. Les vélos en libre service, sans attache, qu'on prend et qu'on pose n'importe où. 5 sociétés sont implantées en France depuis quelques mois, mais une de ces sociétés, chinoise, Gobi Bike, qui avait installé ses vélos à Paris, à Lyon, Reims, vient d'annoncer qu'elle mettait fin à son activité en France. Le concept de free floating, autrement dit les vélos sans attache, est-il viable? C'est l'enquête du 8 heures. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Laure, cette société chinoise a jeté l'éponge. Trop de vandalisme. Oui, exactement. Il y a eu trop d'incivilité. Des vélos retrouvés cassés par dizaines sur les trottoirs, explique la société, qui dit ne pas avoir d'autre solution que d'abandonner. Mais cette réponse ne convainc pas les spécialistes. Hein. Ce n'est pas une spécificité française. Il y a des dégradations ailleurs, en Belgique, en Suisse ou en Italie. Et c'est un critère que les sociétés prennent en compte au départ. Le problème de cette entreprise chinoise Gobi Bike, c'est qu'elle a voulu aller trop vite, être la première sur le marché français avec peu de personnel, et elle s'est installée sans autorisation de la ville de Paris. Or, pour que le modèle fonctionne, il faut qu'il y ait un cahier des charges, un accord passé avec la mairie. C'est ce qu'explique Pierre Cerne, le président du Club des villes et territoires cyclables. On ne peut pas juste arriver comme ça quelque part sans en parler à personne, avec des vélos parfois à la limite de la sécurité pour les usagers et sans payer de droit à l'occupation de l'espace public, sans aucune règle pour l'usager qui peut le laisser n'importe où, n'importe comment. Ça s'encadre, et donc dans ces conditions-là, ça va se développer beaucoup, beaucoup en France, et du coup aider à la pratique du vélo davantage. Et pour réguler l'implantation de nouvelles entreprises, la ville de Lille, par exemple, demande aux opérateurs une redevance de 11 euros par vélo, et cela a découragé justement plusieurs sociétés. Alors Laure, est-ce que ça marche pour les autres sociétés de vélos partagés qui sont implantées en France? Oui, clairement, parce qu'elles ont mieux préparé leur atterrissage en fait. Hein. Metz, Tours, Bordeaux, Angers disent que ces sociétés qui sont implantées chez elles ont des vélos plus solides avec du personnel pour assurer la maintenance, mais il manque encore clairement aujourd'hui un cadre juridique au secteur. Mais est-ce que ça c'est prévu par le gouvernement? Oui, absolument. C'est en cours de discussion dans le cadre de la loi sur les mobilités, avec cet été un gros chapitre sur le vélo qui obligera les sociétés à publier une charte de bonne conduite validée par les communes, qualité et nombre de vélos, emplacement autorisé et sanctions pour les cyclistes qui se garent mal. Avec votre abonnement de bus, vous pourrez peut-être faire aussi 5 déplacements à vélo par mois, ou à l'avenir, avec une seule carte d'abonnement, louer n'importe quel vélo en libre service. En fait, avec ces mesures notamment, le gouvernement espère multiplier par 3 les déplacements à vélo d'ici à 2030. Enquête de Laure d'Autriche, merci Laure. 2 infos en sport dans ce journal, avec d'abord les Herbiers, club de national qui s'est débarrassé de Lens hier soir en quart de finale de Coupe de France, victoire au tir au but. Ce soir, PSG-OM. Par ailleurs, dans le feuilleton, Neymar, alors que le PSG disait hier qu'il y avait une petite chance de voir le Brésilien contre le Real la semaine prochaine, eh bien le père de Neymar a été beaucoup moins optimiste. Lui parle d'une indisponibilité d'au moins 6 semaines. Europe 1.